Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, l'oral et communication, ça veut dire la façon de parler en français, je vous propose offrir quelque chose à manger ou à boire, accepter ou refuser l'offre. Justifié. D'abord, je reprends les phrases suivantes. Désirez-vous un rafraîchissement? Désirez-vous un rafraîchissement? Volontiers, j'ai très soif. Volontiers, j'ai très soif. Prendrez-vous quelque chose à boire? Prendrez-vous quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Non, merci, je n'ai pas soif. Servez-vous? Servez-vous? Il y a des gâteaux secs et du thé. Il y a des gâteaux secs et du thé. Non, merci, nous n'avons pas faim. Non, merci, nous n'avons pas faim. Veux-tu manger ou boire? Veux-tu manger ou boire? Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Restes-tu pour dîner? Restes-tu pour dîner? Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Restes-tu pour dîner? Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Que dirais-tu d'un bon repas? Que dirais-tu d'un bon repas? Ce n'est pas de refus. Ce n'est pas de refus. Je reprends les phrases suivantes. Désirez-vous un rafraîchissement? Volontiers, j'ai très soif. Prendrez-vous quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Non, merci, je n'ai pas soif. Servez-vous, il y a des gâteaux secs et du thé. Non, merci, nous n'avons pas faim. Veux-tu manger ou boire? Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Restes-tu pour dîner? Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Que dirais-tu d'un bon repas? Ce n'est pas de refus, ce n'est pas de refus. Alors, voici comment offrir quelque chose à manger ou à boire. Par exemple, désirez-vous un rafraîchissement? Ou prendrez-vous quelque chose à boire? Ou prendras-tu quelque chose à boire? Servez-vous. Il y a des gâteaux secs et du thé. Sers-toi. Il y a des gâteaux secs et du thé. Veux-tu manger ou boire? Voulez-vous manger ou boire? Voudriez-vous manger ou boire? Voudrais-tu manger ou boire? Restes-tu pour dîner? Ou restez-vous pour dîner? Que dirais-tu d'un bon repas? Que diriez-vous d'un bon repas? Alors, pour accepter l'offre, on dit volontiers, j'ai très soif. Volontiers, justifié, j'ai très soif. Volontiers. Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Ce n'est pas de refus. Pour refuser l'offre, on dit non merci, je n'ai pas soif. Non merci, je n'ai pas soif. Non merci, nous n'avons pas faim. Non merci, nous n'avons pas faim. Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Non, je suis désolé, mais je dois rester chez moi. Alors, ici, vous avez donc la façon d'offrir quelque chose à manger ou à boire, accepter ou refuser l'offre. En justifiant. Alors, ici, que peuvent offrir ou proposer les personnes ci-dessous dans chacune des situations suivantes? Ici, vous avez une fête. Ici, le père sert. Oui. Regardons ici, l'homme sert quelque chose à boire à sa femme. Par exemple,
Servez-vous, organiste. Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons. Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons. Et l'autre, elle dit. Désire, au désires-tu, au veux-tu le... quelque chose à boire? L'autre, elle dit tout simplement volontiers. Que peuvent offrir ou proposer les personnes et dessous dans chacune des sessions suivantes? Par exemple, ici, on peut dire, désires-tu un rafraîchissement? L'autre dit volontiers, j'ai très soif. Ou prends-tu ou prendras-tu quelque chose à boire? Ou sers-toi? Ou veux-tu boire? Ou que dirais-tu d'une bonne boisson? Alors ici, si tu fêtes, il y a pas mal de propositions. On dit, désirez-vous des rafraîchissements? Prendrez-vous quelque chose à manger ou à boire? Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons? Veux-tu manger, voulez-vous manger ou boire? Restez-vous pour ce soir, pour dîner? Que diriez-vous d'un bon boisson ou d'un bon repas? Alors, troisième activité, associe les lieux ci-dessous aux propositions suivantes. Déguster une glace, boire un soda, prendre son déjeuner, être invité à dîner, manger un gâteau, dans un café, à la cantine, dans une pâtisserie, chez des amis, sur la plage. Alors, associer les lieux ci-dessous aux propositions suivantes, déguster une glace, boire un soda, prendre son déjeuner, être invité à dîner, manger un gâteau. On va commencer par le plus simple, être invité à un dîner chez des amis, prendre son déjeuner à la cantine, manger un gâteau dans une pâtisserie, boire un soda sur la plage, déguster une glace dans un café, par exemple. Déguster une glace, c'est dans un café, boire un soda sur la plage, prendre son déjeuner soit à la cantine, être invité à dîner chez des amis et manger un gâteau dans une pâtisserie. À l'aide des mots suivants, formule des propositions que tu adresses aux amis invités à ton anniversaire. Il y a des verres, de la tarte aux fraises, des assiettes, des tasses, du jus d'orange, des serviettes en papier, des bonbons, se servir, prendre, boire, manger, avoir faim, utiliser. Vous pouvez dès maintenant apprendre par cœur ces expressions. Désirez-vous un rafraîchissement? Volontiers, j'ai très soif. Désires-tu un rafraîchissement? Volontiers, j'ai soif. Prendrez-vous quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Prendrais-tu quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Servez-vous, il y a des gâteaux et du thé. Sers-toi, il y a des gâteaux et du thé. Non, merci, nous n'avons pas faim. Non, je n'ai pas faim. Veux-tu manger ou boire? Voulez-vous manger ou boire? Voudrais-tu manger ou boire? Voudriez-vous manger ou boire? Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Restes-tu pour dîner? Restez-vous pour dîner? Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi.
ou chez nous. Que dirais-tu d'un bon repas? Que diriez-vous d'un bon repas? Ce n'est pas de refus. Alors, les expressions que vous devez bien sûr apprendre par cœur pour offrir quelque chose à manger ou boire, c'est comme cela. Désirez-vous? Prendrez-vous quelque chose à boire? Servez-vous? Veux-tu manger ou boire? Restes-tu pour dîner? Que dirais-tu d'un bon repas? Voilà. Ou on peut changer, on dit désires-tu un rafraîchissement? Prendrais-tu quelque chose à boire? Voilà, quelque chose à boire? Sers-toi? Voulez-vous manger ou boire? Restez-vous pour dîner? Que diriez-vous d'un bon repas? Voilà. C'est pour le moment pour l'expression orale et communication pour aujourd'hui. Et c'est offrir quelque chose à manger ou à boire, accepter ou refuser l'offre en justifiant.